Hello tout le monde, aujourd'hui je vous ai préparé un entraînement beaucoup plus calme. On va faire un petit peu style yoga, pas besoin vraiment d'échauffement pour cet entraînement là. Vous pouvez le faire vraiment même le matin au réveil. On va commencer par la pose de l'enfant. Alors je prends mon timer pour quand même que vous rythmiez comme d'habitude. Ok, comme ça vous savez où vous en êtes dans votre entraînement. Hop. De la pose de l'enfant, je vais monter les fesses vers le plafond pour le chien tête en bas. Hop. Voilà, chien tête en bas, on a les talons vers le sol, on pousse sur les mains, on s'en fiche d'avoir les jambes tendues ou pas, ce qui compte c'est que votre bassin soit bien surélevé. Ok, et je vais juste redescendre doucement, je rentre le ventre, je repousse sur les bras, puis je reviens et je remonte. Je reste un petit peu. Voilà, hop. Et je remonte. Et je repose. Ok, de cette posture-ci, on va passer dans le gainage que vous connaissez. Cette fois-ci, on va faire avec les bras tendus. Donc, soit plus petit, comme on a déjà fait plusieurs fois, soit avec les jambes tendues. Ok, on maintient. Tenir comme ça 30 secondes de gainage, c'est déjà pas mal, hein. Donc, si vous sentez que votre ventre lâche ou que votre dos lâche ou que vous avez simplement besoin de reposer un petit coup, il vaut mieux reposer un petit coup et bien replacer votre ventre, bien réallonger la colonne. Ok, je vais maintenant me mettre sur le dos, hop, pour le demi-pont des épaules. Super exercice pour mobiliser le dos. Hop, je pousse bien sur les pieds, je monte, puis je mets les bras derrière moi et je redescends en allongeant mon dos au maximum. Je monte. Bras derrière et on allonge le dos pour redescendre et on revient. Si c'est trop difficile pour les épaules, vous pouvez mettre les bras plus de côté. Là, le ventre rentre et on étire pour redescendre. Ok, hop, je me tourne par le côté. Ok, on va se remettre avec le ventre au sol, le Superman. Hop, je soulève et je maintiens. Alors, on fait attention au placement du dos, d'accord? Si vous sentez une gêne ici dans le bas du dos, vous rebasculez le bassin, vous poussez bien le pubis dans le sol. Ok, ici, c'est le travail plus du dos. Si c'est trop difficile pour les bras ou vous sentez que vous croulez vers l'avant, vous replacez les bras en chandelier. On essaie de tirer le nombril vers l'intérieur. Et je vais repartir maintenant dans mon chien tête en bas, où on va alterner avec du gainage. Donc dans le chien tête en bas, j'ai le ventre qui est relâché, je souffle, le ventre rentre et je descends. Ok, je maintiens un petit peu, puis hop, je remonte. Souffle, on maintient, puis hop, je remonte. Je maintiens. Et je remonte. Ok, si vous aimez bien cette position-là, vous pouvez rester en cette position-là ou alors vous redescendez déjà. Pour l'exercice suivant, on le refait à nouveau. Donc c'était pose de l'enfant, chien tête en bas. Pose de l'enfant, chien tête en bas. On redescend doucement. Hop, et on remonte. Okay. Les bras vers l'avant pour le gainage. Soit jambes tendues, soit genoux au sol. On essaie de maintenir. On repousse bien sur les bras, le menton reste légèrement rentré. Et vous vérifiez bien votre bas du dos. On tire le nombril vers l'intérieur. Voilà, ici on a bien le temps, c'est pas comme dans les hits. Donc il vaut mieux rester avec une position un petit peu moins difficile, mais vraiment la fignoler, de prendre le temps de bien ressentir l'exercice. On passe sur le dos pour
le pont des épaules. Les pieds largeur bassin. On souffle, on monte. On étire. Hop, et on mobilise bien la colonne. Là aussi, il n'y a absolument pas de raison d'aller vite. On essaye que chacune des vertèbres passe par le tapis. Et puis on laisse revenir la courbure naturelle du dos. Hop. Chacune des vertèbres. Et on laisse revenir. Hop. On revient. Hop. Pour notre Superman. On replace le bassin. Le ventre rentre. Et on décolle. Ok, faites attention de ne pas pousser le ventre dans le tapis. On tire tout le temps bien le nombril. Alors, bien sûr, le ventre va toucher le tapis. Mais on essaye de le tirer vers l'intérieur. Presque fini. Hop, on revient. Hop. Pouce de l'enfant, remonte chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est l'alternance chien tête en bas, gainage. Je souffle longtemps. Je respire plus petit dans les côtes. Et puis quand je remonte, je relâche le ventre. Là, il faut vraiment relâcher. Puis là, je rentre. C'est justement cette alternance-là de contracter ici, relâcher là-bas, qui est intéressante. Hop, et je repose. Ok, pose de l'enfant, chien tête en bas. Donc, je pars de plus bas, hop, et je déplie les jambes. Et quand je redescends, j'essaie de bien fixer les épaules, de sortir la tête des épaules, descendre doucement les genoux au sol. Là, je peux relâcher, hop, je remonte. Souffle pour redescendre, contrôle la descente, contrôle au niveau des épaules. En expirant, le ventre rentre. Hop, les mains plus en avant. Soit jambes tendues, soit jambes fléchies. J'essaie de maintenir. Une grande ligne, des talons jusqu'au sommet du crâne. On repousse bien fort dans le sol. Allez, il nous reste 10 secondes. On va passer sur le dos pour le pont des épaules. Bien penser à mobiliser le dos. Hop, on se remet. Hop, sur le ventre. On replace bien le bassin. Hop, je pousse le pubis dans le sol et je remonte. N'oubliez pas que vous pouvez replacer les bras en chandelier si ça ne va pas. Attention de ne pas pousser le ventre dans le tapis. On tire le nombril. On n'essaie pas de monter trop haut. Hop. Alternance, gainage et chien tête en bas. Souffle et descend. Et on remonte pour aspirer.
fait encore un tour et on a fini. Ce rythme-là, c'est quand même plus facile que les HIIT. On est bien d'accord. Alors, on repousse bien sur les mains pour essayer d'ouvrir au niveau des épaules. Ok, et puis hop, je descends doucement et je repose. Hop, talons vers le sol, sans nécessairement retendre les jambes. Et hop, je contrôle la descente. Hop, le gainage, les mains en avant, le dos droit, à nouveau, je souffle pour partir et je maintiens. Bien repoussé sur les mains, on tire le nombril, un petit peu comme si vous vouliez essayer d'attacher un pantalon trop petit, qu'on a fermé la tirette. On essaie vraiment de remonter. Il ne reste 15 secondes. On maintient, comme si on avait le pantalon trop petit. On tire le nombril, on se repousse bien sur les bras. Et on va passer sur le dos pour le pont des épaules. Souffle et monte. Et mobilise au max. Hop. À plat ventre. Bascule le bassin et on monte. Pas trop. Là, il ne restera plus qu'un seul exercice. Encore 10 secondes. Alors, lâche pas le ventre. Tire le nombril vers l'intérieur. Dernier. Hop, de mon chien, tête en bas. Je souffle. Puis je relâche. Et voilà, c'est terminé. Alors c'est sûr, ça n'avait absolument pas le même rythme que ce qu'on fait d'habitude. J'espère que vous avez vraiment apprécié ce style d'exercice, que vous allez essayer de ressentir les exercices, ressentir votre gainage, etc. C'est terminé, félicitations et on se retrouve très vite pour une autre vidéo un peu plus cardio. Ciao.